de la classe ouvrière, de l'après-guerre, on a grandi. Dans les cabanes et des masures, sans fioritures, dans les taudis. Mais aujourd'hui on emménage, c'est au 39, et c'est tout neuf. Arago, ce paquebot de 6 étages, c'est notre maison. Arago, du passé faisons dalle rase, tout en béton. Tout môme dans mon bidonville dégueulasse, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais ma place dans un triplex de 120 mètres carrés. Cette barre monumentale est un dédale alambiqué. Coursive, couloir et terrasse qui s'entrelacent, on se croirait perdu dans les tuyaux, la tête de l'architecte qui l'a créé. Arago, ta logique est énigmatique, mais ça fait rien. Arago, ça donne un relief exotique au quotidien. Tant d'autres vivent dans des boîtes à chaussures, pile poil rectangulaires. Chez nous, c'est l'aventure quand le fleuriste a des livraisons à faire. Quartier à la même allure, pas de peinture pour faire joli. Balcon en forme de voiture et pas de lierre qui grimpe au mur. C'était la France pompidolienne, c'était moderne d'être moderne. Arago, ton décor est plutôt maussade, mais ça fait rien. Derrière tes étranges façades, on se sent bien. Et même lorsque le chauffage est en berne, il reste la chaleur, la douce chaleur humaine des voisins qui sont devenus des copains. Arago, ce paquebot de 6 étages, c'est notre maison. Arago, du passé faisons dalle rase, tout en béton. Sans doute qu'un beau jour tu seras trop vieille, on te rasera toi aussi. J'aurai un peu de peine de voir alors tomber ton béton, tomber, tomber, de voir alors tomber ton béton gris.